Salut à tous et bienvenue dans cette troisième journée de quête du Mew. Et donc là, il va nous falloir du ténèbres et le fameux métamorphe. Donc là, on tombe sur un polichon de moi. Ouais, il va pas nous troller comme celui qu'on a pris dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Attrape 10 Pokémon. Voilà, c'est ça, c'est notre quête. Donc c'est parti pour. Bah là, on a des potentiels. Ah, il y a une Magikarp. Faut qu'on aille la chercher. Bon, on a tombé sur un Fantominus. On n'était pas là. On était là pour la Magikarp. Et le Fantominus est apparu. Donc c'est plutôt cool. Ils sont boostés par la météo. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on en profite. On va peut-être en trouver plus. Oh là là, il va falloir que je me dépêche du coup tant qu'on a cette météo couvert. Donc on a au moins 40 minutes encore de cette météo. Faut absolument que j'en profite. On a 3 Pokémon, mais toujours pas de métamorphe. Allez, on va valider notre quête du jour rapidement en prenant cette arène. Ça tombe bien parce qu'en plus il faut qu'on la prenne pour nous. Et voilà, on a fait notre combat, on va valider notre tampon. Bon, je vais sortir, je vais pas vous infliger ça quand même. On n'est pas là pour ça. Tac. Donc notre petite récompense de rappel, c'est bien, on peut avoir juste tapé un Pokémon. Et on valide notre troisième tampon parce que je n'ai pas joué vendredi, je sais. Voilà. Allez, on a trouvé un nouveau polychombre. Il faut qu'on l'attrape absolument. Ils sont très rares là. Notre quatrième, ouais, c'est notre quatrième. Il nous en faut encore 6 et on n'a toujours pas de métamorphe. On va essayer de prendre Meliena, Pachani. Bon, bah on va chercher, hein. Allez, nouveau polichombre. Voilà, je suis trop court. Allez, cinquième. On n'en trouve pas beaucoup. Mais en même temps, je suis toujours pas le métamorphe, donc. On avance. Et encore un polichon. Malheureusement, le temps a changé. Donc ça va se compliquer pour avoir des polichons. Ah, j'arrive pas assez à courber quand il est sur les coins. Et je tire pas assez loin. Voilà. Ok, on l'attrape, c'est notre sixième, il nous en manque encore 4. Mais ça va se tendre, ça va être compliqué. Allez, on est tombé sur un beau spot, il y a deux polichombres. Oh, j'arrive pas à courber dans ce coin là, c'est ouf. Non. Allez, avant que l'autre dépop, on ne sait jamais. Ok. Le septième. Et voilà. Essayer d'attraper notre huitième. Mais bon, de toute façon, on n'a toujours pas de métamorphe. Je crois qu'il va me. Il va me troller ce métamorphe. Et comme le polichon me troll. Allez, plus que deux.
Allez, on a un Ténéfix. Ok, c'est notre neuvième, il nous en manque plus qu'un. Alors j'ai vu un. C'est pour ça que je dis Ténéfix, d'ailleurs c'était un Skelenox. J'ai vu un Ténéfix un tout petit peu plus haut, mais comme il fallait, j'étais en train de rouler, j'ai pas pu me le prendre. Donc je vais essayer de faire marche arrière et d'aller le chercher, ce serait notre dernier. Bon bah en allant chercher le Ténéfix, on est tombé sur un autre Skelenox. Donc je vais prendre celui-là aussi. Enfin, je vais prendre celui-là et je vais aller chercher le Ténéfix pour Dengar parce que Dengar il a un spectre de moi. Donc on va pouvoir aller récupérer notre récompense. Et voilà. Ben, il ne nous manque plus que le métamorphe. Donc là, je vais faire que ça. C'est parti. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. J'ai le métamorphe sur un Aerocool. Vite, il faut que je vois si je peux l'attraper. Je vais aller l'attraper d'abord pour Dengar et on se fait la suite de l'aventure juste après. Bon voilà, on l'a attrapé pour Dengar, donc on va récupérer notre troisième récompense de cette cinquième étape. Donc on gagne un pass raid, un 9 chance et 15 rappels. C'est plutôt sympa. Merci Gwenju, grâce à ton aide, je pense pouvoir confirmer que Mew est invisible. Recueillons des données pour construire un outil qui nous permettra de le trouver. J'ai une idée. Si tu pouvais étudier de près certains Pokémon puissants, ça m'aiderait bien. Si possible, combat dans 10 raids. Fais évoluer un Magikarp et atteins le niveau 25. Donc le niveau 25, on l'a. Les 10 raids. Voilà, j'ai revu une autre astuce, on va la tenter, ce serait sympa, il va me falloir un raid tête 1. Évoluer le Magikarp, on n'en est pas très loin, surtout que je viens d'en voir un dans le radar, donc on va aller le chercher. Regardez ce qu'on vient de trouver dans la nature, qui nous a fait un peu courir. Allez, 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 pas qu'il déconne là. Ah, ça y est. Ah, il est tout petit. Il est tout petit. C'est pas grave, c'est tellement rare. Allez, enfin, super. Oh, il m'a fait courir. J'ai cru qu'il disparaissait en fait. Il m'a émis qu'il était plus dans le radar. Et voilà. Ah, type dragon, bah oui, cool. Du coup, on va aller voir notre récompense. On va mettre la capuche parce qu'il commence à pleuvoir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en récompense? Un mini draco, normal. Impeccable. Nickel. Bon bah voilà une belle quête de fini. Ça c'est plutôt cool. On va aller voir quand même notre Dracolos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est dégueulasse. Allez, on va finir une étude de terrain. Il me semble. Je sais plus ce que c'était. Mince. Chamallow. Wow, super, un chamallow. Je crois que c'était récupérer des Pokémon, trois Pokémon plantes ou feu. Voilà. Et on a un chamallow. C'est un petit peu léger. Voilà la dernière Magikarp qui nous manquait pour faire notre évolution. Bon, on n'a même pas besoin de mettre de baie ananas normalement.
Ok. Voilà, on a nos codes sans bonbons. Eh bien, on va tout simplement. Déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme récompense. On a une petite récompense pour avoir eu les trois arcos. Bah, c'est un poussifeu. En fait, il fallait prendre des arcos ou des gobous et ils nous donnent poussifeu. De chercher un raid tête 1 et en fait je ne trouve que des têtes 5. C'est lamentable. Bon, c'est un petit chani quand même. Non. Allez. Et donc pour cette évolution, voilà, j'ai décidé tout simplement d'évoluer mon Magikarp Shiny PC25. Voilà. En Léviator. Parce que bah, le Léviator Shiny, je ne l'ai toujours pas. Et voilà, on a validé notre quête. Et voilà, notre Léviator Shiny, je ne l'avais toujours pas. PC 575. Et comme ça, on a une petite Magikarp PC 10 Shiny qu'on va garder également. Donc voilà, je suis plutôt content. Donc on va aller voir notre quête principale pour Mew. On valide donc cette tâche et on gagne 3000 PC. Et il nous reste donc les fameux 10 combats à faire. J'aimerais bien trouver un petit raid tête 1 pour tester un truc. Voilà, on se retrouve tout de suite. Allez, on a pris 30 points de type 5 qui nous sont venus. Vraiment à pleuvoir, donc je vais devoir écouter la écourter ma marche parce que le téléphone n'aime pas ça du tout. Voilà. Bon, on va tester pour la quête des 10 raids, on va tester le tips de notre ami Prodigy Nation. Nation, Prodigy Nation, qui consiste tout simplement à lancer un raid. Donc là, je vais le faire en plus avec deux comptes. On va essayer de voir si le compte de Dengar, parce qu'on en est au même point. Et tout simplement, on va pas taper. Voilà, tout simplement. Bulbi, Bulbi, voilà. Donc du coup je me suis préparé la petite équipe de l'euphorie qui va bien. Et on n'a plus qu'à attendre. Donc voilà, il ne reste plus que 5 secondes. Donc on n'y a pas touché, comme vous pouvez le voir avec un l'euphorie. Ben, il m'a absolument rien fait. Et on prend un combat de raid. Donc on va faire les opérations autant de fois qu'on peut. C'est reparti. A few moments later. Et bien voilà, on a terminé. Munissez-vous d'un livre, hein, parce que c'est un peu long, on peut rien faire. Donc là, bien sûr, sur le dernier, on l'a tapé. Hein. Et voilà, on a nos 10 combats de raid. Donc on a pu en faire 9 avec un seul pass. On peut pas faire mieux, hein. De toute façon, c'est 9. Si vous allez assez vite, c'est 9. Hein. Il manquait qu'on l'ait en shiny en plus. Ça aurait été trop marrant. Voilà, on l'attrape. Donc, n'oubliez pas, un raid tête 1, vous mettez un l'euphorie en face, vous tapez surtout pas, vous laissez aller au bout du temps et vous recommencez l'opération pendant 45 minutes. Et voilà le résultat. On va aller voir tout de suite notre quête. Donc on a terminé cette étape 6. On va récupérer nos récompenses. Donc 6000 poussières, 3 encens et 5 bonbons. C'est plutôt sympa.
Magnifique, mon prototype fonctionne parfaitement. J'ai actualisé ta caméra RA pour que tu puisses détecter les Pokémon invisibles. Bon là par contre j'ai pas la RA moi, donc je sais pas comment ça va se passer. L'étape finale est de faire sortir Mew de sa cachette. On dit qu'il ne se montre qu'à ceux qui ont le cœur pur et qui sont vraiment désireux de le rencontrer. Montrons à Mew tes qualités de dresseur et notre joie de le voir. Si possible, utilise 50 baies pour t'aider à attraper les Pokémon. Fais un excellent lancer à effet. Et gagne une médaille hors de Kanto qu'on doit déjà avoir. Voilà. Donc 3500 XP. Donc il ne reste plus que 50 Pokémon à attraper avec des baies. Et faire un excellent lancer. C'est parti. Allez, on va se faire un petit raid de Liputu pour que Dengar puisse terminer sa quête du Mew également. Donc voilà, on va faire ça à deux. Dengar, moi. Donc voilà, on a terminé ce Liputu. Moi, je vais essayer du coup de faire mon excellent sur ce Liputu. Dengar peut pas parce qu'il n'a pas encore validé l'étape 6. Mais je pense que c'est plus facile de faire un excellent sur un raid que dans sur les Pokémon au naturel, donc on va faire ça ici. Voilà, ça devrait, voilà, excellent. Donc j'espère qu'il va me le valider. Excellent, voilà. Donc on a déjà l'étape plus la baie forcément. Fait trois excellents, fait un excellent, donc c'est celui qui nous intéresse pour la quête du Mewtwo. Oh, décidément, le Mewtwo. Magnifique. Ah bah, pourquoi il me redit ça? Alors, on récupère 3500 d'XP. Et donc maintenant, notre dernière étape, c'est les 50 Pokémon avec une baie. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. On va essayer de se prendre notre dernier Pokémon. Tiens, on va choisir Galekid. Pourquoi pas? Alors que tout à l'heure, il m'a échappé. Il y en a un qui m'a échappé. Donc là... Il nous faut une baie. Un joli. Donc les baies, vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Hein. Ananas, superbe frambi, béframbi, banane si vous voulez. Et voilà notre 50e. Ok. Donc là, il va falloir, je ne sais pas si je vais pouvoir aller chasser mon Mew tout de suite, tout simplement, parce que j'ai la RA. Je n'ai pas la RA sur ce téléphone, donc voilà. Donc là, on va pas cliquer dessus. Je vais aller désactiver une option qu'il y a sur Android et ensuite on cliquera. Donc voilà. Donc j'ai désactivé l'appareil photo pour Pokémon Go et normalement on devrait pouvoir récupérer Mew. Enfin, alors, on a 8000 poussières, c'est sympa. 20. Hyperball. Nous avons attrapé Mew extraordinaire. Quel souvenir mémorable. Tu comprends maintenant pourquoi j'aime tant étudier les Pokémon. Le monde entier est un terrain de jeu. Vas-y, amuse-toi. Et là, mes assistants et moi-même allons te demander dans le futur de participer à une étude spéciale. Garde le contact. Et le voilà! Papa, papa, papa! Ah, c'est cool! Ah ouais, donc lui, il a pas de cercle. Il fait sa life, quoi. Donc on le touche une fois. Il se barre. Oh, il s'énerve. On le touche deux fois. Normal. On le rate. On le touche une troisième fois. Je crois que c'est là que normalement il rentre. Normalement, c'est au bout de trois fois. Et voilà. On va rentrer Mew dans notre Pokédex, les amis. C'est génial. Voilà, ça a été une belle aventure. J'ai vraiment kiffé faire cette quête-là. C'était vraiment génial. Et j'ai vraiment hâte maintenant qu'il y en ait une nouvelle pour Celebi. 1286 PC. Notre Mew. Il a changé clair à Lumino Canon, mais bon, Mew, il a.
une quantité phénoménale d'attaques possibles, que ce soit en rapide ou en chargé. C'est excellent. J'ai presque oublié qu'il fallait aller récupérer nos petites récompenses. Pourquoi il me les redonne? Ah, c'est la tâche 8 en fait qui ne sert à rien. Donc on fait encore pas mal d'XP là, c'est sympa. Et on va récupérer encore 10 000 de poussière, un super incubateur et puis des bonbons Mew, je suppose. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. 20 bonbons Mew. Et donc maintenant, étude spéciale. Eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faudra attendre qu'une nouvelle quête soit lancée. Et franchement, vu les 3 jours que je viens de passer, j'ai vraiment hâte. Voilà, je suis allé calculer ses IV. Donc il a entre 72 et 78% d'IV. C'est pas ce qu'on attend de lui, de toute façon, c'est pas bien grave. Tout ce qu'on voulait, c'était enfin compléter le Pokédex. Donc pour la première génération, il ne manquera plus que Tauros en fait. On n'a que Tauros qui nous manque. Voilà, cette vidéo se termine sur la capture de ce Mew. J'espère que ça vous aura plu, ces 3 vidéos que je vous ai proposées pour la quête de Mew. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de venir me rejoindre sur Twitter et sur le Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Yeah!